Alors voilà une nouvelle vidéo en rapport plus ou moins avec la couture, on va dire plutôt avec l'organisation de la couture. Donc moi je suis une fan de papeterie et j'adore avoir plein de cahiers. Donc dans ce cahier-là, j'avais fait une liste de mes patrons. Alors j'avais d'abord fait une liste par, on va dire, catégorie. Voilà. Et avant ça, j'avais fait la liste de tous mes patrons. Voilà, c'est mon cahier de liste. Sauf que au final, je trouvais que c'était pas très pratique, pas très lisible, et j'étais pas super satisfaite de ma liste, de mon cahier. Donc, j'ai créé un cahier. Alors, ce sont des choses que je fais assez souvent. C'est des cahiers que je crée et que je revends après sur Amazon. Donc là, c'est un cahier que j'écris un petit peu avec les couleurs de ma chaîne YouTube, hein, les trois couleurs un peu phares que j'aime bien. Hein, donc je me suis fait avant tout plaisir. Je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et donc j'ai fait plusieurs catégories. Voilà. Donc le but c'est de marquer la marque et le modèle. Et donc j'ai classé les catégories par ordre alphabétique. Donc d'abord accessoires. Donc à chaque fois j'ai fait deux pages. Blouse, chemise, cardigan, gilet, combinaison, ensemble de nuit, jupe, lingerie, maillot de bain, manteau, oh là là, pantalon. Pull, robe. J'ai un peu de problème pour filmer, je vais pas mentir, hein, j'ai des petits soucis informatiques en ce moment. Sac, trousse, pochette, parce que ça, j'ai pas mal de tutos, de choses, enfin de patrons, et au final, c'est jamais rassemblé au même endroit. Salopette, short, t-shirt. Veste et divers. Voilà, mise au point catastrophique. Voilà, donc à chaque fois au final, ça me fait, je crois, ça doit être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, une douzaine de lignes fois deux pages, donc de quoi référencer 24 patrons par catégorie. Avec des catégories, j'imagine, dont on va plus ou moins se servir. Moi personnellement, blouse, chemise, oui. Cardigan, gilet, oui, combinaison, je crois qu'on n'en a aucune. Mais je voulais, voilà, je voulais couvrir un panel large. Pareil, ensemble de nuit. Par contre, ça me donne des idées. Voilà, j'ai essayé de, je suis allée sur des sites, j'ai essayé de voir les catégories de patrons qui existaient, j'ai essayé de toutes les référencer. Donc voilà, cet outil, je dis pas qu'il est parfait. En plus, voilà, c'est un peu autopromotion puisque c'est moi qui l'ai créé, voilà. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous vous servez de ce genre de cahier? Est-ce que vous trouvez ça utile? Est-ce que vous l'auriez fait autrement? Parce que moi, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que je devrais pas faire aussi une catégorie avec tous les patrons à la suite? Est-ce que je devrais pas faire une catégorie par marque? Mais là, ça devenait compliqué. Je me suis dit, est-ce que je rajoute pas une liste de patrons à acheter? Bon. Je suis partie là-dessus. Donnez-moi votre avis et à bientôt pour des vidéos plus axées couture. La prochaine, je pense faire une nouvelle vidéo sur le patchwork.